Dans quelle épreuve, c'est-à-dire dans quelle épreuve
lâcher Suárez a réalisé un record au 6e jeu de C'était dans quel jeu? C'était dans quoi? Disque, son moteur ou jacques. Pour que, voyant le nombre de travail qu'on a eu à fournir, il fallait encore ajouter quelques points. Enfin, nous avons fait notre mieux pour arriver aussi ici. Par rapport à la découverte des lieux avec les questionnaires qui ont été remis, ça a été un questionnaire difficile. C'était vraiment des questionnaires très difficiles. Alors, ça demandait vraiment de l'intelligence divine, premièrement, et ainsi que humaine pour rechercher, rechercher. Qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment des traits déplorables dans ce que vous avez fait la journée? C'est ce qui est des traits déplorables, premièrement, c'est juste la manière dont on nous posait des questions. Parce qu'il y avait des questions qui étaient très difficiles à répondre, dans des manières même si faramineuses. On n'arrivait pas vraiment à répondre. Pendant les cas, on avait posé la question sur la lenteur des animaux, là, on nous avait posé, donc on était debout. Et c'était si difficile à répondre parce qu'on ne comprenait pas. Et la personne qui me posait la question, il ne maîtrisait pas d'autres mots. Donc, ça, c'est déjà la première D'accord, c'est bon, merci. Vous êtes la première équipe et là, vous avez gagné 10, combien 20 ou 10 points. 10 points, de plus. 10 points. Et vous avez répondu à combien de questions? On a répondu aussi à 6 questions. À 6 questions. Ouais. D'accord, ça va, merci beaucoup. Merci. Très heureuse de pouvoir s'associer encore une fois à cet événement.
et je tiens à féliciter les chasseurs, les chasseurs et les spikes qui ont contribué à ce magnifique événement. Le quatrième prix revient à la persévérance avec Denis Gombé avec 167 points. La persévérance, qui est Gombé, je suis sûr qu'il n'y a pas un garçon dans l'équipe, il y a des garçons. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, 167 points. Pour le moment de la fin, les applaudissements très forts. Félicitations. Le représentant d'Orange RDC. Orange RDC. La représentante. Oh, on est honoré. Oh, là, c'est super. Oh, j'en applaudis, quoi. Merci, c'est 0,84. Bon, j'ai envie de l'annoncer parce que Mais bon, elle communique mieux que moi, c'est les téléphones. Ok, le prix est remis à l'équipe Fratamidoas qui est arrivée la première. Elle a découvert des lieux qui étaient invités. Donc c'est l'équipe là, avec 111 points, c'est l'équipe La Baleine. Équipe La Baleine de Brazzaville, on m'a bien mis un point. 6 lieux. Pour ranger à Brazzaville. Félicitations les baleines. En plus de ce prix, la première équipe de Brazzaville à cette troisième édition de la chasse au trésor va recevoir les trophées. Les trophées. Et ces trophées vous les amènent l'année prochaine, hein, à la prochaine édition. Félicitations. Ils ont fait le bras d'amis, ils ont découvert 6 lieux sur 10 en plein Kinshasa. Félicitations, félicitations, félicitations. Le troisième prix est remis par Madame Christine, attachée de coopération. À l'ambassade de France. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Christine? Ah, vous nous êtes allés rejoindre un peu plus fort. Alors, encore félicitations à tous les gagnants. Et désolé pour ceux qui ne seront pas primés. Donc, le troisième prix est attribué à l'université de l'équipe de l'université de l'UCC. Il y a eu 167 points et c'est l'équipe Les Étoiles. Les Étoiles de l'UCC. 167 points. Les mêmes points que l'équipe numéro 4, mais eux sont arrivés les premiers. Ils sont arrivés avant l'équipe numéro 4. Félicitations. Le deuxième prix va être remis par le chargé de la coopération de l'Université libre de Kinshasa, M. Prosper Bonneau. On applaudit pour quelqu'un. Partenaire privé. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Nous sommes très heureux d'être associés à ce grand événement. Alors le deuxième prix est remis à l'équipe Team 7. Team 7 de l'UPC. Félicitations. L'UPC. L'UPC. Team 7. L'équipe numéro 7.
C'est leur deuxième participation. Comment on va continuer? Ils ne sautent pas la qui ne saute pas n'a pas gagné. Qui ne saute pas n'a pas gagné. En français s'il vous plaît, en français s'il vous plaît. Merci maman, merci maman. Je vous prie et remis par le chargé de la coopération de l'UNRWA. Donc le douzième prix, ça sera le prix du mois de la fin. Et ce prix est accordé à un groupe de dont la famille n'est pas. Le prix du mois de la fin sera accordé au meilleur groupe de femmes de la compétition. Et ce groupe, j'allais le dire. Pour remettre le prix du mois de la femme, nous allons appeler une femme. Madame Nicole Chaboine de la DGR. Merci à la DGR parce que vous sauvez les frontières. Merci à la DGR parce que les députés de Brazzaville sont entre autres arrivés à Kinshasa grâce à vous. Merci Madame la Chancelière. Merci. Alors, le prix du mois de la femme est remis. Thank you.
Alors, comme Betty le disait tout à l'heure, nous pensons déjà à la prochaine édition. Quatrième édition de la chasse au trésor. Ce sera peut-être plus de Kinshasa simplement, mais de Kinshasa et Brazzaville, comme ça l'est cette année. Et nous pensons que nous allons traverser de l'autre côté derrière. Ce sera donc à Brazzaville que la quatrième édition sera organisée. Et nous espérons qu'elle aura une aussi grande ampleur que celle de cette année. Merci à vous tous, à tous les participants. Merci aux partenaires. Merci Pierre Béquet. Achille n'est pas là, donc j'en profite. Alors, pour ce qui est de Kinshasa, ce sont les 10 équipes, les 10 premières équipes qui vont participer à Brazzaville. Donc, les 10 premières équipes, celles qui ont été premières aujourd'hui, iront à Brazzaville l'année prochaine pour la 4e édition. La chasse au trésor Braza Kinshasa 2020. Donc, à la fin de cette cérémonie, les 10, vous voyez déjà madame la chancelière hein, pour les formalités hein, pour traverser. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va danser, non?